Hey guys, my name is Lindy. I'm an American who has been living in France for the past 5 years. And in today's video, I am asking French people, what is one piece of advice that they give to their younger selves? All right, let's go. Quel conseil est-ce que tu donnerais à toi-même quand tu étais plus jeune? Je pense que je me dirais d'avoir moins peur de partir vers l'inconnu ou à l'étranger, de découvrir les autres. Voilà, avoir moins peur. En vrai, j'ai un peu la copier. Moi, c'était plus garder mon innocence et aller vers les gens sans avoir peur. Parce que là, par exemple, je reviens sur Nancy depuis très peu. Et j'ai rencontré par hasard cette personne ici et on a parlé comme ça alors qu'on ne s'est jamais vraiment parlé. Il faut quand même préciser qu'on était dans le même lycée. Oui, oui, mais je peux parler très bien avec des gens que je connais pas dans la rue parce que c'est super intéressant et voilà, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Voilà. Alors, le conseil que je me serais donné étant petit, c'est n'écoute pas tes parents, n'écoute personne. Fais ta propre vision de la vie et avance suivant ton instinct. Et écoute-toi toi-même et tout ira bien. C'est tout ce que je peux dire ça là-dessus. Je me conseillerais de suivre mon cœur, mon intuition. Et de partir pour l'aventure de la vie en essayant de réaliser mes rêves et d'aller là où l'aventure m'emmène en fait. Years old already. So when I'm younger, I would advise myself to see more of Europe and the world. I was in my younger days not able to travel a lot, so now we do, and it's very nice. I think I would advise myself to think more in solutions than in problems. I think there are so many possibilities and you can do so much more than you think when you're young. I think you should have the courage to do more and maybe fail, but try again. And then I think you will look back on your life when you're 80 and you didn't miss a chance. Mm-hmm. That's my advice. Je pense que le conseil que je me serais donné, c'est peut-être entreprendre plus. Voilà. Alors, quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais en fait suivi mes rêves bien avant. C'est-à-dire que déjà, j'aurais, je pense, aimé voyager bien plus tôt. Et pourquoi pas être immergé dans un autre pays, dans une autre culture plus tôt. En fait, si tu veux, j'ai pas mal voyagé, mais après mes études, quand j'ai commencé à travailler, et souvent je me suis dit, c'est dommage de pas l'avoir fait avant, ça m'aurait permis déjà de parler anglais bien avant. C'est bien parfois de séparer un peu de tout schéma qu'on peut avoir, de certains schémas qui peuvent être liés au schéma familial ou plutôt tout ce qui est confort en fait, un peu quitter sa zone de confort. Je pense que je l'aurais fait bien avant et je pense surtout que ça m'aurait ouvert d'autres portes. Je crois que ce qui importait beaucoup pour moi, c'était d'être indépendante. Bien sûr, il y avait d'autres valeurs plus importantes comme justement peut-être avoir une vie qui soit pas seulement matérielle, mais aussi tournée vers les autres, donner du sens à sa vie.
Mais moi, je suis d'une génération où beaucoup de femmes encore ne travaillaient pas, et pour moi, l'indépendance, c'était déjà la base.